Hello les potes! Bon, bah, je vais faire une petite découverte de Resident Evil 3. Donc là, je viens de faire les options, comme ça, au moins, tranquillou. Nouvelle partie. Je sais pas ce que je fais. Je vais me mettre en facile, je pense. Je dois pas trop galérer et de profiter au maximum du bordel, c'est tout. Je vais faire la petite quéquette, comme dirait Théo. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce On soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On a retrouvé un patient, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. On dirait la musique de Anderson un peu. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Là, je suppose que c'est le Némésis. C'est un peu en Anderson quand même. Hein. Le truc du labo et tout. Comme dans les films avec Alice. C'est bien fait parce que c'est des vrais acteurs. Allez, d'accord. Codename Nemesis. Stars. Alors ça, je m'en souviens un peu parce que je l'avais découvert avec Théo. C'est joli, j'aime bien. Waouh. Ah, c'est à moi de jouer. Ok. Son petit béret. Qu'est-ce qu'elle lit? D'accord. Je savais pas qu'elle aimait la moto. Ça fait un peu RE7 quand même. Je veux dire, je parlais quand elle a fermé la fenêtre, les mains et tout, ça fait un peu RE7. Ah, une petite binouze. On dirait à la limite qu'elle est poussiéreuse. Oh, j'ai entendu un petit bruit à couche. Ah oui. D'accord. Annette Birkin, je suppose. C'est le chef Iron, ça, je suppose aussi. Beaucoup de fringues, la cocotte. Ah, il y en a encore là-bas. Oh, l'ombre. Ah, il a même bougé ses cheveux dans l'ombre.
Il y a de l'eau qui coule, ouais. Oula, on n'arrive même pas à lire dessus. Ah non, c'est tout flou en fait, les écritures. Ok. C'est bien fait. Hein. Voilà. Oula, c'est Chris, là, je suppose, à gauche. Ah, c'est encore à moi de jouer. Je suis en FPS, lol. Qu'est-ce qui se passe dehors? Je sais pas. Donc je suppose qu'il n'y a rien qui a changé. Non, il n'y a pas grand chose qui a changé. Ah, ah si, elle a pris des cachets. J'adore l'abstrait. Ok. Ah. Bonjour. Et tu as dû à cette ville. On est le 28 septembre. Ok. Ah, c'est qui la gonzesse avec le chien là en plus? Ok. Ah, voilà, au moins la loupiote. Ah. Ah oui. Rapport de Jill. 26 septembre 1998. Deux mois se sont écoulés depuis cette affaire avec Umbrella. Comme on m'a suspendu, l'enquête n'a pas vraiment progressé, comme je l'aurais souhaité. Peut-être que l'écriture de ce compte rendu s'avérera être ma dernière tâche au sein des Stars. Du Stars, pardon. J'espère seulement que cela contribuera à découvrir la vérité. Le virus T. Ceux qui sont contaminés par ce virus deviennent littéralement des zombies. Il y a plusieurs modes de transmission. Morsure par individu affecté causant le mélange de liquide biologique. Contact avec les corbeaux ayant mangé de la chair contaminée. Étant donné la virulence du virus, l'hypothèse d'une contamination par voie aérienne ne peut être écartée. Étrangement, ceux qui ont survécu à l'incident ne présentent pour le moment aucun symptôme. Nous ignorons si cela est dû à une période d'incubation longue du virus ou si nous sommes immunisés face à l'infection. Nous devons en tout cas rester vigilants, même une fois cette enquête terminée. En ce qui me concerne, à part quelques troubles du sommeil, je me porte plutôt bien. Mais j'aurais tort de crier victoire. Il n'est pas possible que je sois dans la période d'incubation. Ok, Giles. Oh, ah si, il y a quelques trucs qui ont changé quand même. Par rapport au cauchemar, je parle. La nanette. Notre enquête. Umbrella. Leader de l'industrie pharmaceutique se concentre sur le développement d'un bébé. Ouais. Ouais, ok. Bah les couilles. Ah, une photo d'un zombie, non? On dirait. Oh, c'est chouette. Oula, elle a même pas fini de déballer les cartons, la nénette. Comment elle a fait pour dormir? Elle a pas dormi encore. Il y a encore du scotch.
du scotch. Alors, bim. Enveloppe non cachetée. Ça fait chez moi. Type de l'autre côté de la rue. Quoi? Je suis enfermé chez moi. Des types de l'autre côté de la rue épient mes moindres faits et gestes depuis leur fenêtre 24 heures sur 24. Ce sont des hommes d'Iron. Ou bien d'Ombrella. Je n'en sais rien. De toute façon, c'est du pareil au même. Je sais ce qu'ils essaient de faire. Ils veulent m'avoir à l'usure, me torturer psychologiquement, et ça marche. Je n'ai plus d'appétit, je dors mal, je deviens folle. J'ai l'impression d'être une mort vivante. Mais je ne laisserai pas gagner. Je dois sortir de la ville et trouver un moyen de leur faire payer. Ils vont envoyer quelqu'un me faire taire, c'est sûr. Alors, si tu apprends qu'il m'est arrivé quelque chose, je veux que tu reprennes l'enquête où je l'ai laissée. J'ai joint mes notes. Tu y trouveras les informations dont tu auras besoin. Tant que ce courrier n'est pas intercepté, je déménagerai de nuit dans 5 jours. Souhaite-moi bonne chance. Et c'est pour qui ça? Pour Chris, non? J'ai pas fait gaffe. Des cartons. Oula! Les vêtements, allez hop, sur le tuyau. Ah, un carton de PQ. Du PQ! Encore du scotch. Ah! Une pizza! Pizza! Oh, il y avait même des petites notes là. Elle a pas eu. J'ai l'eau qui coule encore. Message d'un collègue. À Jill Valentine. Hey championne, comment tu te sens? J'arrive toujours pas à croire qu'Iron t'est suspendu. Quelle connerie! Tu mérites une médaille pour avoir survécu à cet enfer en juillet dernier. Et c'est normal que tu veuilles en savoir plus sur tout ça. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait profil bas. Tout est arrivé si vite. Quand le chef a pris la décision de dissoudre le Starve, la fierté de la police, j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon job. Il paraît que tu prévois de quitter Raccoon City. Je savais que tu ne resterais pas les bras croisés. Promets-moi juste de faire attention à toi. Umbrella va sûrement tout faire pour t'empêcher de ruiner son business. Sois prudent, Jill. Brad Vickers, Starve équipe à la fois. Jusqu'à la mort. Il a fallu que je passe ce message au livreur de pizza pour éviter de me faire griller. On t'a pris une maxi avec supplément de salami. C'est de la part de tous tes collègues. Salami? Ah. Là, ils auraient dû mettre des chorizo. C'est quoi? C'est de la soupe? Non, on dirait. Et certaines choses, c'est pas très joli, je trouve. Et d'autres, c'est super, super bien détaillé, c'est bizarre. C'est plus belle. Ah, mais elle a déjà mangé une pizza, ouais. Il y en a une par terre. Non, c'est autre chose. Pas une pizza. Ouais. Alors, les spaghettis. C'est chouette, si, j'aime bien quand même. Oh, il y a encore... elle a plein de petits pense-bêtes écrits. Le frigo. D'accord, de la binouze. 5 litres de lait, ça c'est plus simple. Ok. Pouf. Alors, bon ben. Ah oui, tant que j'allume pas. J'adore les bruits dans les casques. Ça fait carrément... On est carrément dedans. Ah, ça y est. Ah. Qui ça peut être ? J'ai acheté la tenue, j'aime bien. La tenue de Hero 3. Voilà, j'arrive. Ha 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 ha.
Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi! Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer! Va-t'en de chez toi! Tout de suite! Ok, je me prépare et je... Stones! Oh putain. Monte-t'es là. Ouais, faut que je cours là. C'est quoi ça? C'est le Némésis, tant de Dieu. Oh putain. Que vous lui est passé par-dessus le placard. Hein. Y'a rien à looter là? Non, y'a rien à récupérer. Y'a rien à récupérer ici. Oh putain! Tu lootes! Allez-vous-en, au nom de Dieu! Fin, au nom de Dieu! Putain, je m'en souvenais plus de tout ça! Pourtant, je l'ai testé avec Théo. Vas-y, avance! Oh punaise! Allez, un bout de caillou! Allez, d'accord. Sauf qui pneu! Oh putain! Punaise! Ah cool, les l'échelle. Oh putain, mais je m'en souviens plus. Oh putain de bordel. Allez, trotte. Trotte, nouvelle. Comment on court? On peut pas courir. Je vais me faire défoncer. Non, c'est bon. Jill, par ici. Ouais, j'arrive. Putain, j'adore, elle est griffée sur l'épaule et tout, c'est carrément détaillé la peau et tout, j'adore. Ah, les cheveux... C'était quoi ça? Ça passe. J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du STARS encore en ville. Elle baisse la tête, les cheveux ils vont pas en avant, ils sont collés. Et elle penche la tête, les cheveux... Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Ouais. C'est cela, Brad. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Les emmerdes n'arrivent jamais seuls. C'est comme Harclay, mais en pire. Comme Harclay, mais... Ah, là-haut, il y a Top Gun. Quoi? Courir. Ah oui, je peux courir. C'est quoi ce délire? C'est qui braille dans vos pas? Allez, on y va. Ouais, j'arrive. C'est un cauchemar. Ok. Ouais, sauf qu'il peut. La porte de derrière, vite! Oh merde! Pense à autre chose! Pense à autre chose! Promets-moi de pas te faire avoir comme moi. Va-t'en!
Elle me fait penser, j'ai une copine qui a un peu le même visage qu'elle. Ah, et là il y a un gun. Eh, je crois qu'elle en avait un tout à l'heure, un gun. Elle lui a bah tiré dessus. Oh putain, mais il y a du pipou là. Ah bah sauf qu'il peut. Trop de monde. Oh la vache, faut aller où? Ah d'accord. Ah putain, il y en a encore un là. Fuck. J'aille sur le toit du parking. Okay. Donc pour courir, faut cliquer sur le joystick. Monsieur, est-ce que ça va? N'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Ah, il y a peut-être deux nœuds. Entendu. L'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr. Quel lieu sûr? Pas question que je sorte d'ici. Propre. Il n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans. Ouais, bah casse-toi, connard. Un chariot élévateur. C'est bon, donnez-le moi, j'ai le cassette moi. Des baboules. Ah, good. Ouah, c'est quoi ce truc? J'ai un fusil d'assaut. Non. Il sort d'où? Pourquoi j'ai un fusil d'assaut? Je l'avais pas dans le truc à Théo. Équipé. Examiner raccourci. Ah, raccourci, c'est ça. Déjà, c'est le gun, moi, qui me plaît pas. Le gun, j'aime bien. Raccourci, à gauche. Voilà. Et la mitraillette. Raccourci, à droite. Ok. Fusil d'assaut, ok, bon. Je savais pas qu'on avait un fusil d'assaut. D'accord. C'est bizarre comment elle vise. La tête vachement baissée. Ah mais c'est vraiment, ils sont affectés, Doberman. Non, trop fort. Allez sur le toit. Allez, Magic Gilou. Allez, Magic Lounette. Putain, mais je me souviens pas avoir fait ça dans le jeu à Théo. Bizarre. Ouah. Merde. Oh. Mort ou pas? Bah si, j'ai peut-être fait, mais je m'en souviens pas.
fait chier ou quoi? Oh punaise! C'est quoi ce délire? Oh putain! Déjà? Désolé! Désolé! Il a mis sa cagoule! Fous ta cagoule! T'es un Wattiro Baker, non? Oh, tu as ta gueule, enfoiré! Oh punaise! QTE! Oh putain! L'autre est tombé du... je sais pas combien d'étages, 3ème, non ça... Hein. Ah oui, j'ai pas regardé tout à l'heure. Non, 6ème c'était... 6ème étage. Même pas mal. Oh putain, l'autre il se relève. Putain. Allez ma belle. Oh putain. Putain, elle en chie direct la pauvre. Ah, faut que je recoule. On m'énerve. Allez. Et du coup... Et l'autre il a... Non, c'est une croquette. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est une croquette. Il l'a attrapé comme ça. Ah putain, que je peux pas le voir, ce Carlos de mes couilles, là. Oh putain. Arriba, arriba, là. Je suis là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Ouais, cool. Allez, on va se mettre à l'abri. Comme dirait Théo. Il est là. Haramakba. En sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Crains rien. Putain. C'est bon. C'était gouffre. Besoin d'espace, hein? Ouais. Bon, j'ai compris. Lâche-moi, connard. Allez. C'est clair. T'as bien raison, là, Jill. C'est pour ça, à cause de lui, que j'avais pas trop aimé le jeu. Ça si, j'avais bien aimé, mais... Qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Là, il y a encore Top Gun. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. Tu vois ce genre de mec? Non, merci. Bien, c'est bien fait. Je te laisse. Par contre, du coup, on voit pas... Je trouve qu'on prend pas le temps de trop fouiller, en fait. C'est tellement... vite, vite, au début. Je l'aime bien habillée comme ça, elle est jolie. Une caisse à pêche. C'est une caisse à pêche, loul. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Bah si tout va bien se passer. Ouais, t'es trop fort. Allez, ta gueule. Putain, ils ont fait ces trous là. C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça. Wow. Qu'est-ce que tu racontes? On est là pour aider la population. C'est quoi c'est le problème avec Umbrella? Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi le problème avec Umbrella? J'ai Lucie. Ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde, bordel! Ah ouais. Allez! C'est la première fois que j'entends ça. Écoute, je peux te tirer sur la gueule, PD? Et moi, je vais à l'abri. Tu viens? Allez, c'est par là. Le gros Carlos. Parti. D'accord. Y'a rien à récupérer en fait, c'est bizarre. Bon, j'aime bien parce que c'est... contrairement à où j'ai vu aux vidéos de Bast, là, les deux premières vidéos que j'ai regardées, d'ailleurs cet après-midi la deuxième, je trouve que dans Resident Evil 3, c'est beaucoup moins sombre. Et... Il y a plus d'ambiance, je trouve. Capitaine, charmante demoiselle a besoin de nous.
Putain, que c'est bien fait. Hein. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Ruskov. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le STARS. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Mikhail Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Mmh. T'as l'air trop belle, j'adore. Très bien. J'en suis. Bon, j'aimais bien aussi la Julia Volt. C'est pas, elles sont différentes, c'est pas du tout le même style. Bon, super flic. Prends ça. Ça servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, un Toki. Mais carrément, j'ai une copine, elle a la même gueule quasi. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Pardon. Ah, ils sont vivants, en fait, là-bas. Il n'y a rien d'autre à récupérer là. Ah, on peut repartir, cool. Oh, ça va, j'en ai vu d'autres. Ah, trop fort. Ah, j'ai le même fusil d'assaut. D'ailleurs, je sais pas d'où il sort d'ailleurs ce fusil d'assaut. Peut-être avec le. C'était avec le DLC des vêtements, non? Ah, puis je trouve des baboules. Ou alors c'est parce que je suis en facile? Mimine! Ah, et elle vous pète en plus, Mimine. Fabriquer des munitions. Foudre noire. Munitions Magnum, fusil à pompe. Déjà, je suis spoilé déjà sur les armes que je vais avoir. Déjà. Cartouche de fusil à pompe. Là, je vais avoir un fusil à pompe et je vais avoir un magnum. Normal. Putain, j'adore, c'est trop bien fait. Ça, même le carrelage, je trouve qu'il est. Avec des joints tout pités. Si, franchement, ils ont géré. Hein. C'est joli. Des petites poussières qui volent. Vous inquiétez pas, c'est juste un coup de fil. Ça c'est bien fait, ça pue aussi. Ah, le sang un peu moins là. Ah, ça fait des vieilles taches de peinture. Non, c'est pas top. Au moins que ça s'est pas encore très bien affiché. Cas de cannibalisme. Les Springle. Un briquet, des jeux à gratter. Ok.
fait, y a rien à voir ici. Jill, c'est Carlos. Est sorti de la station ? Presque. C'est quoi le plan, alors ? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? Et comment je fais ça ? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Là, c'est un plan de Raccoon City. Là, c'est toujours les mêmes affiches. Ouais, cool, j'ai eu un trophée. Ah, on n'a pas de crochet. Ok. On peut pas rien équiper. Courir les mains vides. Tout sur les plantes, on connaît par cœur ça. Téléphone. D'accord. Pour save. Derrière rien. Ok. J'en suis à combien de 2 minutes de jeu là? Il me reste 22 minutes de jeu. Ok. Ça rappelle, ça attendra. Ça attendra 20 minutes, quoi, c'est tout. Voilà. C'est quoi ce délire? Dans son quête infinie, je suis de tout. C'est quoi ce délire? Samurai Edge? Pièce récupération, pièce d'enfer, pièce assaut, manuel de combat, crochet. Pourquoi j'ai tout? C'est nul! Mais non, mais moi je commençais normalement. Pourquoi j'ai tout ça? T'as vu tout ce que j'ai dans le coffre? C'est quoi ce délire? Je comprends rien. Le crochet, ça veut dire que je peux déjà aller... C'est nul! Ça veut dire que je peux déjà aller crocheter ça, là? C'est quoi ce délire? Ah oui. Cartouche. Mais c'est nul, c'est quoi ce délire? C'est le mode facile qui fait ça ou c'est un DLC? Je comprends rien. Pourtant, j'ai pris que les DLC de fringues, hein, c'est tout. Hein. Je vais me la jouer normal, je crois. Je vais tout poser et faire style. Ça, je vais y garder et je vais prendre un truc qui était parmi. Il était avec les vêtements, je crois. C'est ça. Ah, bah attends. Moi, je le veux, lui. Je le veux, mon Samurai Edge. Examiner. Ah, putain, il est trop beau. J'adore. Le même que le mien. Magnifique, je suis amoureux déjà. J'adore. Ça, c'est mon Samurai Edge. Il est trop, trop beau. Je kiffe.
raccourci, je vais le mettre à gauche, voilà. Je vais juste finir ce flingue là sur 2-3 puis je le ramènerai. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Je vais pas recharger. Je peux le tirer ou pas lui? Ah oui. Ok. Bon, en plus de toute façon, je suis en facile, donc à mon avis, niveau mun, je pense que. Et on sait comment il est mort, on sait pas. Bah lui, il a la tête explosée, donc il est mort, c'est sûr. Bon, je vais faire comme si j'ai rien dans le coffre parce que je trouve ça trop chelou. C'est trop bizarre. Je comprends pas. Ouais, le sang, il fait. Je sais pas, il y a un truc qui me choque dans le sang. Je sais pas. Ça fait tâcher, ça fait. Cool. Bon, faut pas que je recharge dans tous les cas. Oh putain. Ouais, ça aurait du bruit à droite, c'est pour ça. Ah non. Faut que j'aille le reposer. Il n'y a pas le mec qui est passé dessous là. Ouais, je vais reposer ça. Je comprends pas que j'ai tout ça, sérieux. Franchement, je sais pas. Je piche pas. Alors, il est bien à gauche mon flingue. Ouais. Et le couteau en bas, c'est bon. Bon, dans celui-là, Théo, il m'avait dit que le couteau, il s'use pas, c'est ça? Ok. Ouais, j'ai mon Samurai Edge. C'est ce que je voulais à tout prix. Oh, il est pas mort, lui. Ok. J'en suis où au niveau de 16 minutes. Dans 16 minutes, il faudra que je revienne sauvegarder et j'arrêterai. Détendre lui. Ah, je suppose qu'il faut le coup boulon. Je l'ai déjà le coup boulon dans le coffre, c'est nul. C'est nul à chier. Peut-être je suis en train de dégoûter. Je sais pas si c'est le fait d'être en mode facile ou si c'est un DLC. Franchement, je sais pas. Poudre noire. Carlos, je suis dans la rue principale. Donc, j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, celle qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Va te faire voir. Ouais, c'est clair. Va te faire voir, pauvre con. Faut que j'éteigne ça.
Ouais, mais on n'a pas de tuyau. C'est quoi ce bruit? Où sont passés les tuyaux? Et surtout la grande échelle. Oula. Ok. Oh, c'est bien fait, j'ai joué. Pupinaise. Recule, toi! On est de là! Tiens, c'est une pute! D'accord. Ah. Paye tes jantes. Il n'y a même pas de trou pour les visser. Paye tes jantes. Il n'y a même pas de trou pour mettre les goujons. C'est vraiment tes tâches, sérieux. Toi, t'es mort ou t'es pas mort? Et toi, t'es dead ou là? Ah, toi, t'étais sûrement... Ouais. Ok. Putain, je vois pas mon horloge. Combien il me reste tard? 12 minutes. Tous minutes. Là, j'y suis déjà allé. Bon, bah, continuer par là. Oula, il y a Buchanan qui vient reculer. Oh, la gonzesse. Oh merde. Chien à la colle. Oh, mais ils sont combien là? What the fuck? Ah merde. Ah, mais c'est relevé. Ah si. Oh, ça l'a comme ça l'a reculé. Il a plus sa képette. Putain, je loupe des balles, sérieux. Bon, je suppose qu'il y en a qui sont pas morts. Ok. Toi là. Ah bah elle est déjà dead. Ah bah c'est celle qui bouffait. Le gros là. Le gros nalin. D'accord. Bon, c'est où si jamais tu regarderas ça, il faudra que tu m'expliques pourquoi j'ai toute l'artillerie. Vraiment. Parce que franchement, c'est abusé. Poudre noire. Poudre noire. Faut que j'aille où du coup? Faut que j'aille là-bas? Non? Ou faut que j'aille là? Ah! Une salle de... Oh, j'adore le son. La salle de sauvegarde. D'accord. Bon, ça va, l'inventaire, franchement, on s'habitue relativement vite. Donc, j'ai le gun. Munition de fusil d'assaut. Pistolet. Infini. Reden infini. Mais c'est nul, lance-roquette infini, fusil. Ah non, mais c'est pas possible, ça.
À mon avis, c'était dans un DLC des vêtements, non? C'est quoi ce couteau de fou? C'est quoi ce couteau? Un couteau de développement par, développé par Umbrella? C'est un peu logique. D'accord. C'est nul. J'aime pas. Je suis vraiment pas fan de tout mon attirail là. C'est quoi les pièces récupérées? C'est quoi ces pièces de merde? Presse de rechargement. D'accord. Donc en fait, si je prends ça dans mon inventaire et que je fabrique des munes, ça va en faire plus, c'est ça? Et c'est on y a d'origine ou c'est dans le DLC en fait? Je comprends rien, ça me saoule, c'est tout mélangé du coup. Je vais prendre poudre noire. Poudre noire. Du coup, c'est le bordel dans cet inventaire, faudra que je range, si on peut ranger, bien sûr. Soixante. On te tue. Ah ben en fait on peut pas choisir l'emplacement où on y pose. Ça dépose direct en fait. D'accord, on peut pas ranger. Ok. Alors. Examiner. Ah oui, j'en suis où, mais au niveau de mon time. 6 minutes, ouais, bah je vais pas tarder à arrêter. Je vais faire ça. Il y a un truc dedans. Un joyau. Ok. Bon, bah ça, je pense que je vais en avoir besoin. Du coup, j'ai quoi sur moi? Ok. Je vais faire un petit tour dans la cafette et puis je reviens sauvegarder. Un peu fané. Ah bah il y a des mines là encore. C'est quoi qui fait de la musique? Poudre noire. Quoi qui fait de la musique? Je vois pas ce que c'est qui fait de la musique. Elle a un Walkman? Ou alors il y a une baffe au-dessus de moi, non? Là, si je m'éloigne, ah oui, c'est sur l'oreille gauche. Ah, donc, ça va être elle qui doit avoir de la zic. Enfin, bref. C'est bizarre quand même. Ok, bon, bah, allez, je vais save. Puis je reprendrai. Peut-être après, je sais pas, je vais voir. Alors. Ok, facile. Voilà. Bon, bah écoutez, les potes. À très bientôt. Je sais pas si vous avez regardé cette petite vidéo que je découvre. Je fais le jeu, quoi, et puis voilà.
Allez, bah, bécou tous les copains, et puis à la prochaine pour la deuxième partie. Bisous!